Bonjour, bonsoir YouTube. Avec un grand plaisir, je retourne chez vous pour la première fois cette année en 2024. J'espère que vous avez eu une bonne fin d'année. Je vous ai donné une très bonne recette pour la fin d'année. Et puis, je vous apporte une super recette aujourd'hui. Et en plus, j'ai une invitée spéciale. C'est une amie. Bon, c'est la deuxième fois que je rencontre cette amie, hein, mais on a eu beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, et on se parle tout le temps. Et c'est une très bonne amie. Et aujourd'hui, elle est à Ottawa et c'est elle qui va m'accompagner dans cette recette et c'est elle qui va être ma goûteuse aujourd'hui. J'appelle tout de suite la délicieuse JB. Salut, Gaspard, ça va? Hello, tu m'envoies quoi? Oui, bien sûr, ça va. La tigaline, elle est vraiment bonne, non? Bon, ça va, je suis très content de te voir dans ma cuisine. Merci, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben, moi, ça me fait beaucoup plaisir que tu aies accepté l'invitation. C'est moi qui l'ai invité. Hein. En pile d'un bout, tu es une bonne bière pour l'inviter Tetio. Ça, c'est moi qui t'ai invité. Hein. Bon, parce qu'elle n'est pas à Ottawa, elle est très loin, donc... J'aurais pas eu souvent l'occasion de la voir, donc je savais qu'elle était dans les parages, donc je l'ai invitée. Ouais, et puis elle va goûter avec moi. Hein? Ouais, j'ai trop hâte de goûter. Dis-moi, ouais. Jenny. Vous présente trois au public. Jenny, okay, tu connais pas. Mon public ne connaît pas. Ok, allô tout le monde. Mon nom c'est Jennifer. Donc sur Facebook, sur les réseaux, mon nom c'est Jenny. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Aujourd'hui, je suis avec Gaspard pour goûter un excellent plat. Donc, je vous invite à partager, à regarder, à partager avec vos amis cette vidéo. Merci, merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Aujourd'hui, en janvier 2024, nous sommes à 207 000 abonnés. C'est pas encore le compte. Le compte n'est pas encore bon. On veut avoir davantage d'abonnés. Et je vous rappelle que Chef Gaspard, comme vous l'avez demandé, vous a concocté un livre avec 60 recettes de cuisine haïtienne et d'ailleurs. On a une version française, on a aussi une version anglaise. Donc, vos amis qui parlent anglais, qui adorent la cuisine haïtienne, qui aiment le diridionjon, qui aiment le lambi, le griot, eh bien, ils vont pouvoir exécuter ces recettes parce que ces recettes sont dans le livre. Mais Jenny va finir d'accord, non? Que vous mettez, que vous baillez, que vous baillez blanc, oui, c'est le dit à l'aide, le mal brifté. Je vois pas. Je vois pas. Alors, si vous êtes intéressé à voir le livre, vous pouvez, vous allez trouver le lien pour l'acheter en description, en bas de la description de la vidéo. Donc, vous pouvez commander votre exemplaire sur Amazon et ce sera livré chez vous. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, le livre est important et vous l'avez demandé, je vous l'ai offert. Donc, achetez le livre. Hein? Achetez le livre. Bon, bien sûr... J'ai beaucoup d'abonnés qui l'ont déjà acheté. J'ai reçu des photos. Hein? Hashtag affiché. Et avec Livou, comprenez. Donc, maintenant, vous voyez photo moi sur le compte Instagram, moyen, Chef Gaspard Cuisine. Gaspard Aurélien Cuisine sur Instagram. Ok, nous avons voyé photo moi. Et puis, ça me fait plaisir pour me partager, pour me montrer mon yo. Comprenez que nous-mêmes, nous t'achetons le livre là tôt. Ok? Aujourd'hui, on va faire du poisson. Hein? Du poisson boucané à l'intérieur de la maison, dans la cuisine, avec mon précieux outil. C'est une grille électrique qui nous permet de faire du barbecue à l'intérieur et ça n'émet pas de fumée. Hein? Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire dans votre cuisine à l'intérieur et vous pouvez faire du barbecue avec. Si vous êtes intéressé à avoir une Cuisimax comme celui-là, je mets le lien dans la description. Donc, moi, je suis égoïste. Devine, vous voulez matériel là, ma banole. Donc, c'est super, super, super matériel qui nous permet, même en hiver, au Canada, de faire du barbecue. OK? Donc, je vais vous présenter rapidement les ingrédients qu'on va utiliser pour faire notre snapper, poisson rose haïtien, boucané avec Jenny. Ouais. Ouais, ouais. À tout de suite. À tout de suite.
La mise en place pour ces poissons boucaniers. Là, on a deux jolis snappers. Comme ça, il est en anglais, parce que j'ai comme dit, en français ou en créole. En tout cas, nous-mêmes, nous avons les poissons roses, mais ça, c'est snapper bleu qui coule MDOLMT à l'acheter dans la maquette là. Mais ces poissons, nous-mêmes, haïtiens, nous aimons manger, c'est notre poisson préféré. Ok, là m'était trempé poisson ça avec épices haïtiens. Dernièrement là m'était ban une recette d'épices haïtiens. Ok, donc poisson ça depuis hier soir moi mariné, donc plein épices, bon genre épices. Donc son poisson va sortir très savoureux. Pour accompagner poisson, on va le faire banane frit. Là m'ai deux graines banane jaune qu'on va le frire là. On a besoin beurre, bon c'est plutôt margarine. Côté nous allons préparer une espèce de marinade pendant poisson à boucanéen pour nous passer sous lit. Donc nous allons mélanger beurre ça avec marinade qui était trempé poisson. Hein. Nous avons besoin livre 67 de cuisine haïtienne d'ailleurs à tout. Et bah oui non. Et ben en tout cas montrez nous lit. Hein, songez allez dans la description hein, pour nous choisir livre pas nous. Hein. Et puis bien sûr pour nous faire tout ça nous avons besoin belle grille moyen. Ok pour faire barbecue. Hein. Ok, barbecue à l'intérieur, qui pas bail, en ken la fime. Ok, mettez lien dans la description, hein? Même pas égoïste, matériel moi partager avec nous. Donc voilà, dire Cuisimax, mettez lien dans la description, nous pouvons commander sur Amazon, c'est Amazon d'acheter. Oh non, ça va la donne, ça a été moi avec Jenny avant vidéo, hein? Qui t'a mangé et petit fromage, ça, raisin. Avec des salades de thon, salades de poulet, etc. Donc ça c'était pour faire pour soutenir nous, hein, en attendant que poisson hein, pareil. Oh bien sûr, m'a bien piclise pour accompagner et plamlan, piclise a fait déjà, li dans frigidaire, OK? Nous gain recette piclise déjà. Voilà, c'est ensemble ingrédients ça yo avec matière ça nous utiliser pour nous faire jodi à poisson boucané avec la très jolie Jenny qui visite la cuisine de chef Gaspard aujourd'hui. Ok, Jenny est à mes côtés. Là, nous allons commencer par préparer, ça me dit, une espèce de marinade. Nous allons passer sous le poisson pendant la boucanée. Comment on a fait ça? On a mis la margarine. Ok. Donc, pour qu'il chaud. Alors, fais poisson boucané déjà, Jenny? Honnêtement, je ne sais pas si j'aime faire poisson boucané. Moi, manger poisson boucané au Sénégal. Moi, manger les amis des amis ivoiriens. Et il y aurait les saoules et les poissons brisés. Même pourquoi j'aime goûter à l'haïtien. Ah, ok. Donc, vous n'avez pas mangé poisson boucané en Haïti? Non. Wow, ok. Vous pas traiter dans la zone Radio Caraïbe? Parce que Radio Caraïbe, dans Riel Chavane, il y a un programme poisson boucané là chaque soir. Vous comprenez? Oh. Tout pour au prince, il venait. Hein? Non, non, pourquoi j'ai mangé ça fait moi, vraiment. Ah, non seulement moi, c'est un. Le monde qui connaît, je connais que j'aime mes fruits de mer. Ok. Mais moi, très hâte pour manger la version ça. Ok. Eh bien, bienvenue, parce que là, la fête vraiment haïtienne, parce que l'épice qui marine est là, c'est épice haïtien, donc là, vraiment, il y a un goût manger haïtien. Ok, sauf que, bon, il va beaucoup aller dans un charbon, bien barbecue, en Haïti, hein, parce que là, il va le faire de façon électrique. Ok, eh bien, on a quitté ça là, mijoter un moment, et puis, 3 minutes. Et puis après, nous allons passer dans boucaner poisson proprement dit. Ok? À tout de suite. Ok, là. Ok, préparation noire. Bouille là. On va compléter avec un petit huile végétale, l'huile d'olive ou une autre petite huile là. Ok? Compléter avec un petit huile. Ok? On va quitter là pendant 2 minutes encore. Donc ça fait au total 5 minutes. Il fait à mijoter. Ok. Attendez tout de suite.
OK, là nous pensons, il paraît là, OK, n'a pas d'en du fait nous. OK. Maintenant, nous pourrons passer à poisson proprement dit. Appareil là, mais comment il est là? Ils vont fond là, ils viennent avec un bol pour mettre de l'eau en bas. OK? C'est toute disposition ça qui fait. Il va bon ni la fumée, ni aucun odeur. Même si on est dans un caille. OK? Là, on va le monter. Grille électrique là, proprement dit. Et c'est ça qui chauffe. Hein? Et puis, on l'a mettre l'autre grille ça là, c'est sous ligne pour mettre poisson, ou bien n'importe quelle bain, nous t'as fait. OK? La plumène. Il va connecter ou quoi? Ah, OK, voilà. OK. OK, on a pété la 350 degrés. On a quitté le Fahrenheit. Et puis, là, tout commencé. Là, la 68, la montée. OK? Ouais, la température a monté. Là, arrivé 350 degrés, on a juste mis le poisson. C'est tout. OK, là, j'en ai regardé là. OK, ma 350 degrés, très chaud là. Ça l'a fait d'abord, on a passé un petit graisse sous le grill là. OK, pour empêcher le poisson coller dans le grill là. Vous comprenez? Merci, Jenny. J'ai une bonne assistante aujourd'hui. OK. Eh bien, on va mettre le poisson. Hein? On va commencer avec le poisson de Jenny. Hein? Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je suis obligé de couper le poisson, mais je vais vous assez. OK, merci Jenny. Je pense que c'est sérieux, hein? OK. Eh bien, on va gagner la peine. On a quitté la grille à faire travailler. Et Jenny, au témoin là, par exemple, la fumée qui est sortie. Ouais. Et presque pas même bien odeur. Ouais. OK, on a couvert. Et eh bien, on a fait un petit temps là. Nous allons occuper de notre bagage. Nous sommes en train de faire une banane fruit. Nous allons faire. OK? Eh bien, on va l'occuper de banane pendant la fruit là. La couvine garde et tout, on va quitter le boulet. Bon, là, c'est Jenny qui est à l'appareil là. Jenny pour aller caler banane pour lui. On prépare les bananes. OK? OK. On compte les bananes déjà, vous voyez? Oui. Pour le faire manger. Oh oui. OK, guys. C'est pas compliqué parce que banane est déjà mûre. Si ton banane verte, t'es quand même des plus travail. Ouais. So. Okay. Ouais, tu gâtes le tout petit pour tirer plus mieux. Et banane, ça va tellement mal. Ouais, ouais. OK. So. Gaspard, mettez mon travail. Nous venons manger. Gaspard, mettez mon travail. Est-ce que nous, ouais? OK. On continue bien, mais. D'abord, on fait un entaille, on va maintenant, comprends? Et puis ensuite. Faut qu'on t'a la bien faite parce que. Pour monsieur Damien, on va les bonnes amies, ouais? Mais comment on fait ça? Jenny, outre nous là. Ok. C'est très facile. Parce que tu veux les bonnes jaunes. Ouais. Ok. Et puis ensuite, on va découper les bonnes amies. On va là, découper, est-ce qu'on va découper là? Non, mais je pense que je vais découper lui à partir de 100 planches. Faut que moi dis nous tout que maman c'était un monde qui était un service traiteur. Okay. Donc ah, on sont petits cuisine. Ouais. On sont petits cuisine. Vous connaissez dans pile la cuisine. Oui. Ouais. Vous connaissez dans pile. Donc on petit monde qui fait service à eux. C'est des aides cuisiniers oui. Ouais, c'est ça. Ah, ou pas n'importe qui. OK, eh bien, banane là, nous allons mettre sel dans l'eau ça, on va quitter le trempier là, on va retourner dans le poisson tout de suite. OK? On garde ça le bail qu'on y a là. OK? Ça sent très très bon en fait.
Est-ce que nous voyons comment va la pâte là, hein? Ok, la virer là. Est-ce que nous voyons? J'en bien grillé. Ok, on va utiliser pinceau nous là. Merci. Ouais, pas rien. Quel la fumée qui sorti là? Sorti. Ouais. Pas rien fumer, pas rien au beurre manger. Yeah. C'est extraordinaire. Ouais. La technologie, hein? Mm. Ouais. Nous couvrons là. N'a pas retourné dans la banane, nous avons quitté le bolot de bois là, bien grillé. Ok? Parce que nous regardé là, Jenny a fait de tout le hein? Ok? Là, nous besoin de petit casserole là, là pour mal fruit banane. Parce que l'on utilise un gros gros tonton casserole, on utilise un pile d'huile. Donc, l'on utilise un petit, on va faire économie de l'huile. Vous comprenez? Donc, là, nous avons débarrassé ce petit casserole là, là. Nous mettons la marinade nous dans le bol. Ok? On va laisser ça là et dans ça on va le frit poisson. OK. On tourne garder poisson là. Bonne opération a faite. Travail a faite là. On a quitté le fait. OK. Dans poisson avant de tourner dans banane là. OK. Poisson on a des fonti garder là. OK. Je vais taper les verres bien. Donc, Jenny, c'est en Afrique. Je suis continue en Afrique et je mange des poissons braisés. Je veux que je mange un poisson boucané haïtien. Ok. Oh, donc, attention, poisson, on va couper. Jusqu'à présent, ça sent bien. Okay. Est-ce que nous voyons un poisson blanc bien boucané? Ton coup, c'était, on prend son gris à charbon. Ok? Après, vous voyez encore, là, nous allons retourner dans la banane là. Ok. Eh bien, l'on fait banane et fruit. Faut mettre le premier l'huile là. Faut mettre banane là, fruit pendant les couper là. Sans beaucoup peser là. On va le prendre chance pour la même. Mousque boulet. On va utiliser matériel le fait pour ça. Ok. Ok, merci. Jenny, comment va-t-il bien? Qui est un baissé du feu là? C'est votre petit casserole moins petit, mais elle prend toute banane. Deux graines de banane. Ok? Et bien là, on va quitter pour 5-6 minutes là. Et puis après ça, on va passer à l'autre phase. Ok? Ok, on va passer petit marinade à l'huile sous poisson noir de jour. Pendant ce temps, j'ai mis sur Facebook. Ok, eh bien, on laisse la magie opérer. Oui, Jenny va nous apprendre quelque chose là. Ok, guys. En fait, moi-même, personnellement, maman m'a montré une différence. Love les tester banane. Pour qu'on s'y li pare pour retirer. But, c'est un type qui pas si prudent que ça, mais c'est comme ça moi-même m'intéresse. Ou retirer une banane, yo. Ok?
et puis ou garder ou peser pour eux. Si li si li mou si l'on pèse et puis doit tout rentrer c'est que banane paré li li aussi valable pour une banane qui vête. Mais là si une banane qui mu ouais on y fait ça et puis c'est que banane paré ou quand sortir pour peser. OK. Eh bien on va faire ça. Nous allons tourner la boisson là avant de continuer avec les bananes. Ok. Bon, on va essayer la poisson nous parer. Ok. On va tirer le premier là. Et on va faire avec prudence pour ne pas casser dans les mains. Voilà. Eh bien, premier, nous mettons dans cette, nous allons retirer le deuxième là. Alors, nous sommes certains que nous avons pris la nuit. Je ne vais pas prendre un chercher. Vous comprenez? Nous allons utiliser une autre technique là. Bon, alors, tout d'abord, ça me fait. Mettez un petit l'huile sur le côté de la presse là. L'huile là, ça va être fait, c'est pour que la banane apparaît collée dans le plancher là pour ne pas craser. Ok? L'autre matériel, nous allons utiliser encore, mais pas un petit l'huile sur le tout. Ok, salier, nous salier, un gros qui est plat, nous devons utiliser un bol ou une assiette. Vous comprenez? Si nous avons presse banane, nous devons utiliser la technique ça. Nous devons utiliser, on met deux assiettes, on fait, etc. Bon, voilà. Donc, on va presser. Et puis, délicatement, on retire. Voilà. Comme une banane noire pressée là, même si une banane presse banane proprement dit. Banane a bon petit design. La donne. Entre temps, Jenny est allumée. Je fais à moi, en bas lui là encore. Je voulais dire non, poisson est en retiré, fini déjà, il est très devant nous déjà. Bon, poisson a préposé à ton banane là. Voilà. Et, la banane m'a bien sorti. Je vais mettre presse citron. Enfin, presse banane. Mais pèse banane. Demande Jenny, vient peser moi, elle dit non. Hein? Pourquoi tu vas pas te lever, Jenny? Est-ce qu'on peut faire manger? J'en ai pris ces bananes. J'en ai fait bananes fruits. Vous êtes fait pour maman? Ben oui, oui, ouais, t'es qu'on fait un peu, j'aime toujours faire. C'est une bagarre que moi-même, pile, ces bananes. Ces bananes fruits. Ok. Voilà. Maintenant, nous avons fini de baiser là. Ok? Nous allons passer dans du feu. Oh, ouais, lui, banane, nous avons trempé dans de l'eau, sel avant. Ok? Mais il va le faire, il va le faire bruit, il va le faire scandale. Ouais. Du coup, oui. Nous avons trempé dans de l'eau. Et puis, mettez-le dans l'huile là. L'eau a été de l'eau sel, il était trempé la première fois. Non, pour lui, j'ai fait ça. Peut-être qu'il me donnerait ma chaîne de frites à l'eau. Bon, moi, c'est m'étais assez. Mais Napton, et puis. Il fait 10 grammes seulement, mettez. Ok.
n'attend pour le fond viril ou bien etc et puis ou bien pas viril même ou bien prendre voilà c'est comme ça on fait un bonnet fruit c'est aussi simple que ça opération ça là c'est Jenny qui a fait là bananio jeune ouais là bien jaune ok c'est pratiquement Jenny fruit banane hein l'étape V du feu etc viré ouais ouais c'est une bonne assistante hein la meilleure Ok. Et dis-lui. Eh. Eh, m'a fait bonne fin faire jalousie sur cette là même. M'a fait goûter moi l'autre goûter je pas venir. M'a fait l'autre goûter je pas venir. Mais c'est une très bonne assistante hein parce que lui-même on va son petit monde cuisine hein, qui est venu en cuisine maman des gain service traiteur donc son petit monde qui habite. Oui madame. Tout okay? à fait. Ok, ben nous pouvons passer à dressage à Kounia. Bon, c'est tout barré là. Bon, et Jenny, qui a fait dressage là? Vous voyez? Yeah. Jenny, qui a fait dressage là? Des rangs, j'ai pas son jean. Vous voyez? Il dit, là, un jean, l'autre jean, bito. Ouais, ma petite, elle fait. Ok? Beaucoup contre ça qui l'a tête, non? Mais... ben, moi aussi, j'improvise dans les dressages. Hein? Okay. On comprend ça. C'est pas nouveau. J'essaie de voir comment faire. Moi, c'est qu'une quantité 4 pour dressage. Ok. Et puis, je vais mettre des tomates. Nous avons des tomates. Bon, moi, je tiens à ça. Ok, si tu tiens. Petit tomate, ça a gagné. Oubliez comment on dit lui. Comment on dit ça encore? Bon, en tout cas, qui a une branche, qui a une tête là-dedans, j'y tiens. Cherchons quand on veut dire. Si tu tiens. J'y tiens. C'est compliqué. Couteau, on va mettre là. Couteau, t'as mis là, t'es bon, hein? Mm-hmm. C'est le bon, là. Okay. Oui, là. Yes. On va aller dessus un baril. Un baril. Moi, de monsieur, si moi, ajouter. Nous avons des piments taille, là. Bon, alors, c'est pour le visuel, hein, nous pouvons manger piment. Hein. Ouais. Mais mon piquis là déjà enragé, soit dit, hein, très, pour piquis là. Vous goûtez piquis là. Bon, mais franchement, là, manqué. Son piquis, mon lati bonite. Ok, so, juste pas les trop. Un pile, en fait. Mais, pensez que. Quand je fais de mon mieux là, je suis pas inspirée aujourd'hui. Okay. Pas d'être rempli, même pas c'est que belle. Ou pas mettre tomate encore? Non, pas envie. Okay. Est-ce qu'on peut se mettre à ajouter? Ok, maintenant épique les accords dans la famille. Oh my god! Je pense que tu as mis épique les accords. Bon. Non. Dans la là. Bon, si vous voulez, je vais mettre le nom au bas sous côté. Hein? Il y a des petits baquets, je vais mettre le sous côté. Ok, ben nous quand toujours fait ça. Ah, mais okay. Moi-même, si je mets plus que les hommes, je vais juste mettre le conseil sous les. Comprends? Ben vas-y, c'est. Mais parce que je vais mettre rempli à cette là encore. Voilà. Je ne sais pas si le fait belle, mais. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Peut-être ça apporter un petit goût piquant tout sous. Un petit goût, je l'ai dit. Oui, bon, c'est parce que. Le piqué même, mais piqué, ils ont piqué mauvais. Oh, by the way, des très belles plats. Mm-hmm. Ok, dressage là, c'est Jenny qui fait. Ouais. Ha! Dis-moi, je suis talent, je suis talent. Pas de doute dans ça. Et tu qui dis, oui. Yes. Ok, bon, eh bien, on va passer à la présentation.
été une superbe expérience avec Jenny dans la cuisine. Hein? C'est pas juste son goûteuse, nous avons là des vrais assistants qui comme fait manger déjà, qui habitent dans la cuisine, qui font pile bagaille dans la recette là. Et j'en dis là, dressage là, c'est lui qui fait. Bon, alors, mais ça me suis certain, il faut qu'on qui goût poisson gagne, c'est qu'on y a le goûter, le poisson, poisson coco, pichkané. Jenny, vin by note là. Pour poisson ça, ou participer là-dedans. C'est pas goût, ou participer dans pas goût. Oh non! Ou pas tremper. Ouais, c'est responsable. C'est ça. C'est pas goût, mais c'est pas goût. Guys. Vas-y, à toi l'honneur. Ok. Donc, quand tu manges avec fourchette et couteau, comment vous coupez poisson? Ok. Je veux des mots. Pas une dimli bon non, bien pas bon non. Je veux des mots. Ok. Des mots pour exprimer ce que tu ressens dans la bouche. Est-ce qu'il y a une explosion de goût, de saveur ou bien c'est quoi? C'est bien s'élasser? Est-ce que. Voilà. D'abord. Non. On ne dit pas tout. Okay. Nous ne faisons pas comme ça. Nous montrer et mon sushi yo comment vous faites le même propre bouillon cube. Yo. Okay. Ok. Donc naturel, sans produits chimiques, sans glutamate de sodium, un poison qui gagne dans tout cube bouillon commercial. Yo. Ok. D'abord, je voulais vous respecter pour ça. Parce que en fait, c'est que goût ou mamie sont toujours là. Je ne peux pas gagner ma vie là-dedans. Il y a un bon citron là-dedans. Et puis il est très équilibré, c'est-à-dire que le citron n'est pas trop exagéré, trop pour bon mauvais goût dans la bouche. Il y a un bon sel. Okay. Très bon. Super. Bon, bon petit piment. Bon, piquez là. Piquez là. Tu me dis mon natimolite. Oui. Il est bon piqué, c'est-à-dire que ben, on vient de piquer un hein, acidulé. Hein. Et vous, je ne salais rien là-dedans. C'est un bon cocktail. Ouais. Ok. Il est extrêmement bon. Très bon. Bon et pas figue, moi, pas acheter. Non. Je ne pas acheter figue. Non, pas acheter figue. Même si vous avez une belle figue pour acheter, c'est pas figue, je ne l'ai pas acheté. Pas que là. Non, non, on dit même sur une belle figue. Pour acheter. Pour une acheter. Figue. Pas connaître. Ah, ok. Non, mais. Très, très très bon en fait. Ou pas moins de 10 sur 10 comme vous d'avoir, mais après. Ou même 12 sur 10 ou 15 sur 10. Non, on mérite un bon 9,75 sur 10. Vous avez pas fait 10 sur 10. On va vraiment faire 10 sur 10. Pour qui ça? Parce que c'est haïtien? Non, c'est pas vraiment. Pour mes haïtiens, on va faire 10 sur 10. Ok, mon petit pourcentage. Honnêtement, si nous devons faire 10 sur 10, nous devons faire 10 sur 10. Parce que les mérites. Parce que moi, je n'ai tout ça besoin, il est très bon. Je m'entends de la palais, assez de moi la palais. C'est une explosion. Non, c'est une explosion en bouche en fait. Et puis, chapeau, parce que goût, au moins, je n'ai pas avec mon Maggi, ou je n'ai la goût, mamie. Sans. Donc, c'est sans Maggi. Écoute, même goût en fait, c'est chapeau. Merci. On pointe. Merci. Non, ça fait plaisir. Et j'ai adoré faire cette expérience avec toi. J'espère que tu vas venir à Ottawa. Ah, pour qu'on cuisine un autre plat. Oui, j'espère aussi. Hein, on tu reviendras quand? Ah, j'espère encore. On est en janvier 2024. Tu reviendras pour Pâques? Non, je ne peux pas te le dire, mais je ne sais pas encore. Ouais, ça fait intéressant. Tu m'as dit que tu n'as pas beaucoup. Non, pas qu'à ce moment-là, parce que j'ai trop de balades qui sont en cours. Et puis, je m'as dit que je m'as venu. Tu es étudiante aussi. Hein? Ouais, je suis étudiante aussi. Non, je on va faire une interview. Je ne veux pas dire ça. Non, c'est, non, un c'est un secret. C'est un secret. Tu fais un master, une licence. Ah, reste à voir. Reste à voir. C'est surprise. Oh, tout ça, c'est surprise aujourd'hui. C'est surprise. Super style. sur page Facebook, il y a chaque jour. Enfin, oui, elle fait ça moins. Mais autrefois, chaque jour, nous dansons déjà. Ouais. Danser, chanter, etc. Mais, heureusement, là, l'école n'a pas pris des bails. Parce que si c'était pour danser avec chanter, donc vous t'actuez. Ah oui. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Il est de dire ça, je dis. Non mais les gens qui sont fanatiques, les gens Facebook, les gens TikTok,
Instagram, je connais, je suis un grand danseur et je danse très bien. Vous comprenez que vous-même, vous pensez pas danser, même vous dansez. Mais lui-même, si c'était pour danser avec chanter, Gregor t'a choué. Heureusement, là, pour le métier, pas besoin qui métier. Vous allez dire si son master ou en licence à faire. Ah, mais je sais c'est un doctorat. Ah, surprise. Ok, ok. Bon, eh bien, elle a donné la note 9,75 sur 10. Je suis fière de ma note. Non. Je l'ai bien mentionné, en fait. Si nous t'étais une barre de 10 sur 10, nous t'étais une barre de 10 sur 10. Amen. Ou mérité. Non, c'est super bon. Eh ben, super moi, bon. J'ai adoré ta visite. J'ai adoré l'expérience avec toi encore une fois. Aussi, et puis, j'espère très fort te revoir bientôt. Mm. Ok. Enfin, avant 2024, t'as fini. Ou bien avant moitié 2024, t'as retourné. Ottawa, pour nous faire cuisine encore. Peut-être. Hein? Mais t'es branché. Ou même, moi, t'es trop loin au Canada. Je ne vais pas dire pour nous faire manger, mais... Ok, à bientôt. Songez, sur propos que livre pour là, vous prenez. Est-ce que vous avez besoin de prendre ça? Je vais songer. Mais de toute façon, sur propos que livre pour là, allez dans la description vidéo ou pour le lien et nous partager pour acheter des voix sur Amazon. Ok, nous avons une version anglaise tout pour les gens qui parlent anglais ou bien les gens qui ont des amis qui parlent anglais ou qui apprennent en anglais. Donc, c'est un pile fanatique chaîne de Kemandel. Et puis, depuis décembre 2023, moi, là, j'ai un livre là pour nous. Donc, achetez livre par nous. Ok? C'est une bonne façon pour nous supporter chef là, supporter chaîne là, pour nous continuer à porter belles recettes comme ça pour nous, pour nous continuer à inviter des délicieuses goûteuses. Les meilleures assistantes. C'est chargé. Autoproclamé. Et bah ouais, notre goûteuse, c'est elle qui s'est autoproclamée meilleure assistante. L'un des meilleurs. Meilleure assistante, ok. Il n'a pas froid aux yeux. Hein? À bientôt. À bientôt. Bye. Moi, j'aime bien goûter. C'est excellent. Ok. À bientôt, tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bon, il n'y a plus de caméra là maintenant. Viens. Non, bon. Mm-hmm. Non, mais... poisson, vraiment. Ça a piboqué poisson brisé, oui. Dinguerie. Mm-hmm. C'est une dinguerie. Mm-hmm. Franchement, là, c'est hyper bon. En fait. Mm-hmm. Avec piment, hein, ou même son autre bagage. Et puis, ça, mon cher. Donc, et puis, les avenues pour plein, là. Non, big gars, dit qu'on a mangé papi pour ça. On prend tout qu'on dépelle. Moi, je fais que je dis. C'est trop bon. Je n'en doute pas. On fouchette ma tata. On fouchette ma tata qui est en bas. Des fois, fais poisson. On tourne. On fait six fous. Faut faire plusieurs feux de mer. Voilà, tout ça qui tente. Des marques fait poisson là. Hein? Ouais. Charline, Charline dit, ah, ou décidez les balles en fait poisson. Hein? C'est trop bon. Oh, caméra qui l'a continué à tuer. Oh, on va regarder. Oh, oh, caméra boulée là. Même des campagnes, mais tout suppose. Ah, mais quand même, il a brûlé là. Bon, mais tout le monde vraiment, hein, bye bye, Kounia. Bye bye.